I bow to all the seekers of truth. Je m'incline devant tous les chercheurs de la vérité. The truth can be realized if you love someone. La vérité peut être réalisée si vous aimez quelqu'un. But it should be pure love. Mais il faudrait que ce soit un amour pur. Without any lust and greed. Sans aucun désir bas ni aucune envie. Which is a divine love. C'est-à-dire d'un amour divin. Divine love doesn't expect anything. L'amour divin n'attend rien. You cannot sell it. Vous ne pouvez pas vendre. You cannot force it on anyone. Vous ne pouvez pas l'imposer à quelqu'un. It is the purity of your being that starts emitting that love. Mais c'est la pureté de votre être qui commence à émettre, à faire émaner de vous cet amour. For example, there's a lamp which is dirty. And even if you put a light inside that, it won't give any light at all. Par exemple, si vous avez une lampe qui est sale, même si vous mettez l'ampoule, si vous mettez la lumière à l'intérieur, cette lampe ne peut pas laisser passer la lumière. So the first process that starts in you of the awakening of the Kundalini. Donc le premier processus qui commence en vous avec l'éveil de la Kundalini gives you the feeling of the all-pervading power. Vous donne la perception de ce pouvoir omniprésent. And also gives you a kind of a peace within and a security. Et aussi une sorte de paix intérieure et de sécurité. But above all, you develop a new awareness called as collective consciousness. Mais par-dessus tout, vous développez une nouvelle conscience qu'on appelle la conscience collective. This new consciousness is where you can feel another person on your fingertips. Par cette conscience collective, vous pouvez ressentir une autre personne sur le bout de vos doigts. And you start emitting yourself. Et vous-même, alors, vous commencez à émettre les vibrations de l'amour divin. But these vibrations are very dim in the beginning. Mais ces vibrations sont très fines au début. The Kundalini comes, again falls down, again attends to the problems in the being. La Kundalini, d'un premier jet, disons, s'élève. Mais ensuite, elle revient travailler, elle est bloquée par les différents problèmes qui existent à l'intérieur de nous. The problems could be physical. Il peut s'agir de problèmes d'ordre physique, médical. Could be mental, could be emotional. Ou mentaux, ou émotionnels. But the main problem is the spiritual problem. Mais le problème le plus grave, ou le plus important, c'est le problème spirituel. Which is very difficult to eradicate. Qui est très difficile à éliminer. But as you start seeing your own problems and blockages, mais dès que vous commencez à voir vos propres problèmes et vos propres blocages, feeling them on your fingertips, et que vous commencez à les ressentir sur vos doigts, you yourself correct your own being. Vous-même, vous pouvez vous corrigez vous-même. As if you have become your own guide and your own master. Comme si vous étiez devenu votre propre guide et votre propre gourou. In your own light, you start seeing what's wrong with you. Et en pleine lumière, vous commencez à voir nettement ce qui ne va pas chez vous. I don't have to tell you that this is wrong, that is wrong. You yourself correct yourself. Shri Mataji n'a pas besoin de vous dire que telle chose ne va pas, mais c'est vous-même qui vous en apercevez. When this process starts of cleansing, the purity improves within. Lorsque commence ce processus de purification intérieure, de nettoyage, la pureté s'établit à l'intérieur de nous. That is, your attention becomes very pure.
Ce qui signifie que votre attention elle-même devient très pure. When you look at something, as I told you yesterday, there's no thought that comes into your mind. Lorsque vous posez votre regard sur quelque chose, aucune pensée ne vient agiter votre cerveau. But you become a witness. Mais vous êtes simplement un témoin. But it's not only that. In collective consciousness, when you look at something, you pay attention to something, it gets purified. Mais non seulement cela, mais si vous êtes en conscience collective, lorsque vous portez attention à quelque chose, vous purifiez cette chose. That's why Christ has said, "Thou shalt not have adulterous eyes." Et c'est pourquoi le Christ disait, tu n'auras pas les yeux adultères. That means in your eyes there should not be any lust or greed. Ce qui signifie que dans vos yeux il ne devrait pas y avoir ni luxure ni envie matérielle, appétit. When you look at people, quand vous regardez les gens, then there should not be any lust or feeling of greed, but just you look at them and the purity of your eyes is purifying them. Donc lorsque vous regardez les gens, il ne devrait pas y avoir de sentiments de luxure ou de désir, mais au contraire, grâce à cette conscience, vous purifiez les gens que vous regardez. You all are capable of becoming that kind of a strong personality. Vous tous, vous êtes capables de devenir cette sorte de forte personnalité. The light of spirit now enlightened within you. La lumière de l'esprit étant maintenant illuminée à l'intérieur de vous. Spirit, first of all, gives you the truth. L'esprit, en tout premier lieu, vous donne la vérité. The absolute. L'absolu. Because the spirit is absolute. Parce que l'esprit est absolu. It gives you the absolute truth to such an extent that even if you have 10 children and tie up their eyes. Et cela vous donne cette vérité jusqu'à un tel point que si vous prenez 10 enfants et que vous leur bandez les yeux, and ask them, what's wrong with this person? Et que vous leur demandiez, qu'est-ce qui ne va pas chez telle personne? They will all raise this finger. Ils vont par exemple tous lever ce même index gauche. Means this finger is burning. Parce que ce doigt va brûler. That means that person is suffering from guilt. Et ce qui signifiera que la personne en question souffre d'un sentiment de culpabilité important. That means this is the center which is catching here. Le centre est ici, à la gauche du cou. So much is the absoluteness of the truth is. Voilà à quel point la vérité est absolue. That means our brain captures the absolute truth. Donc grâce à cela, cela signifie que notre cerveau va attraper, va appréhender la vérité absolue. Now our attention becomes collectively conscious, as I told you. Donc notre attention devient collectivement consciente, comme je vous ai dit. Like we see the television, the play is going on somewhere in the central place, and we see the television. Comme à la télévision, la pièce de théâtre est filmée par la caméra quelque part, et nous regardons le poste de télévision. So, say I'm sitting here, and my attention has gone somewhere else. Donc je suis assise ici, mais mon attention est portée sur quelque chose ailleurs. To some person, maybe to some problem, to anything. Sur une personne, sur tel ou tel problème. But it's not like television, it's more than that. Mais ça n'est pas en fait comme la télévision, c'est plus que cela. Because this acts through the subtle of the ether. Parce que cela se passe à travers la subtilité de l'élément de l'éther. That when this attention goes to the other end, it acts. De telle façon que lorsque cette attention que nous avons, que nous portons, va à l'autre extrémité, elle agit. It works. Elle fonctionne. It organizes. Elle organise. It sends information everywhere. Et envoie de l'information partout. And the whole cosmos works it out. Et tout le cosmos fonctionne. And then the action takes place. Instantaneously. Et c'est alors que l'action intervient. And you are amazed how it works. Et vous êtes étonné de voir comment cela fonctionne. You might say it's a miracle.
Vous pouvez dire c'est un miracle. But everything that is divine is miraculous to human beings. Mais quoi que ce soit de divin, c'est toujours miraculeux pour les êtres humains. It acts in so many ways. Cela agit de tellement de façons. There are so many stories. Sage yogis will be able to tell you about the miracles. Il y a tellement d'histoires que les sages yogis pourraient vous raconter à propos de miracles. So this attention has got vibrations in it. Donc cette attention possède des vibrations en elle-même. These vibrations are the ones which themselves are knowledgeable. Ces vibrations sont elles-mêmes pleines de connaissances. They have the knowledge. Elles ont la connaissance. And they know what to do. Et elles savent quoi faire. And they are connected with the whole. Et ces vibrations sont en connexion avec la totalité. So the message from them goes into the cosmos. Et donc les messages qu'elles émettent vont dans le cosmos. And it's such a beautiful, efficient machine, we can say. It's not a good word though. Of energy that it acts instantaneously in the proper way. C'est une telle belle machinerie, si on peut dire, des vibrations, que cela fonctionne de façon absolument instantanée et de la meilleure façon qui soit. Some people ask me, Mother, if these powers come into us, we can use it for wrong things. Certaines personnes me disent, mais mère, si de tels pouvoirs me viennent entre les mains, je pourrais bien les utiliser pour de mauvaises choses. You cannot. Mais vous ne pouvez pas. If you try, your vibrations will stop. Et si vous essayez, vos vibrations s'arrêtent. If somebody falsely says that I am a Sahaja Yogi, I have this power, it's not accepted. Si quelqu'un se met à dire, oh, je suis un Sahaja Yogi, alors j'ai tel et tel pouvoir, ça n'est pas accepté. He talks about something like that. It is of no avail. Et s'il parle de quelque chose de cette façon, ça n'a pas d'efficacité. As you cannot force Sahaja Yoga or anyone, you cannot force yourself upon us. Et pas plus que vous ne pouvez imposer Sahaja Yoga à qui que ce soit, vous ne pouvez pas non plus vous imposer à nous. Because we don't want dishonest. Et nous ne voulons pas être malhonnêtes. Hypocritical people. Ou ni des gens hypocrites. You have to become the genuine, the pure. Il faut que vous deveniez des personnes authentiques et pures. Otherwise, how will you emit these vibrations? Parce qu'autrement, comment pourriez-vous émettre de telles vibrations à votre tour? You are the one who has to do this new revolution. C'est à vous qu'il appartient de faire cette nouvelle révolution. For any other revolution, people had to sacrifice, had to die. There were massacres. Pour toutes les autres révolutions, il a fallu que les gens se sacrifient, qu'ils meurent. Il y a eu des massacres. But in Sahaja Yoga, you are blessed all the time. Blessed. Mais dans Sahaja Yoga, vous êtes béni tout le temps, béni. And you have to just count your blessings one by one. Et simplement, il faut que vous comptiez vos bénédictions l'une après l'autre. You are all the time blessed. All the time you are given support and help and security. Tout le temps vous êtes béni et on vous fournit, on vous donne le soutien, l'aide et la sécurité. Every moment you have the sensation of tremendous joy. Et à chaque moment vous pouvez avoir la sensation d'une joie fantastique. An enormous confidence in your righteousness and virtues. Et une merveilleuse confiance dans votre propre droiture et en vos propres vertus.